Bon, j'en ai fini avec cette vidéo. Enfin, non, pas avec cette vidéo, mais avec mon blablabla. Et maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai à vous échanger. Donc, je vais commencer avec le récapitulatif de mon ancien échange de l'année dernière, parce qu'il me restait encore pas mal de petites choses. Donc, je vais vous montrer ce qui me reste de ce côté-là. Et ensuite, je vais vous montrer ce que les nouveautés. Parti en live. Allez, c'est parti. Je crois que je vais devoir allumer la lumière parce qu'on n'y voit strictement rien. C'est horrible. Alors j'espère qu'avec la lumière, ça va pas faire trop dégueulasse. Et ben ça fait tout jaune. Pourtant la lumière est blanche, hein. C'est bizarre. Et ben du coup, on voit ma lumière. Moi, je vous ai monté vachement haut pour avoir une vue globale. Donc voilà ce qui me reste de mon ancienne proposition. Donc c'est parti. Je sais pas où je mets ça. Hop, sur le côté. Donc il me reste les emballages de bonbons. Donc ça, je sais pas si ça intéresse encore quelqu'un, mais à mon avis ça va partir à la poubelle. Donc principalement il reste des carambars, des paquets de carambars, des petits et des grands carambars. Voilà, il y a un bon petit lot. Là j'ai du faux sable violet, ou du faux sucre, ça dépend comment vous appelez ça. Donc, là il est violet, c'est pareil, il y a un bon petit lot. Du coup avec l'éclat, je suis vraiment désolée, j'espère que ça fait pas trop pourri. Hein. Donc là c'est des microbilles argentées. Donc c'est pas, il y a un bon petit lot. Il est énorme, j'allais dire le coussin. Et ça me fait penser à un petit coussin. Donc voilà, des microbilles argentées. Ensuite là on a des paillettes blanches. Alors je sais que j'en cherche des paillettes blanches, mais pas du tout celles-ci. Là elles sont assez grosses et moi je préfère des très très fines. Des perles vanillées dans les tons rose et violet, il y a un peu de jaune dedans. Ça, dans l'ancienne proposition d'échange, j'en avais quasiment pas mis. Puis j'ai dit, oh, j'ai fait ma radine, il faut peut-être que j'en rajoute. Et bah du coup, j'en ai rajouté, voilà. Donc là, c'est des petites étoiles ou des petites fleurs, des petites paillettes comme ça. Donc, elles sont un peu iridescentes. Elles sont blanches principalement, mais elles ont des côtés, des reflets roses et verts. Enfin rose, un peu, c'est un rose violet quoi. Voilà. Des fleurs ou des étoiles. Ça, à mon avis, ça n'intéresse personne, donc ça va partir à la poubelle, parce que moi, je m'en sers même pas pour décorer ma table. C'est des petits cœurs, donc il y a 4 versions. Il y a des grands, des petits cœurs pleins, et des grands et des petits cœurs vides. Et pareil, un bon petit lot. Et en plus de ça, dans l'autre proposition, enfin dans mon autre carton, j'ai vu que j'avais un autre sachet encore bien plus rempli que ça. Voilà, c'est des espèces de... Non, pas des sequins, parce que les sequins, ils ont un trop milieu. Voilà, on va dire des confettis, on va dire ça comme ça. Donc c'est des grandes pastilles, voilà, et hop, comme ça c'est mieux. Mais qu'il y a des rouges, des bleus, des argentés et des dorés. Et c'est pareil, un bon petit lot. Et elles ont un effet un peu miroir, vite fait. Voilà. Ce sont les après, donc là j'ai une grande broche, sans trou. Oh putain, elle est costaud. Oh, elle est vachement dure, elle est pas peur de se barrer celle-là. Ouais, une grande broche, comme ça. Qu'est-ce que j'ai? Là j'ai des trombones. Donc c'est bien pour faire des marque-pages, tu customises en haut et puis bah voilà, ça te fait un petit marque-page comme ça avec des trombones, c'est rigolo. Des straps pour les portables, pour les MP3, voilà, enfin bref, des straps. Et un peu de toutes les couleurs. En doré, j'ai des petits mousquetons, non pas des mousquetons, c'est des fermoirs à visser. Et apparemment, j'ai noté, enfin ça c'est un motif aussi, mais je crois qu'il y en avait 12. Ah, il suffit de les compter, hein, voilà. On va dire qu'il y en a 12, je pense qu'il y en a 12. Mousquetons comme ça. Non, pas des mousquetons, oh là là, des fermoirs à visser. Voilà. Aussi des petits anneaux de jonction en doré. Enfin des petits, non là c'est des grands modèles. Je pense qu'il faut... c'est les... Ouais, je dirais peut-être les 8 mm, mais sans grande conviction. J'ai des... Je crois que c'est comme des mousquetons, hein. Il me semble, hein. Donc il y en a 8 comme ça, on va dire des fermoirs, voilà. Ça sera plus simple. Donc il y en a 8 petits fermoirs comme là, ça. Là, des embouts à ressort. Je sais plus comment ça s'appelait. Enfin bref, vous voyez en image, hein, c'est plus simple. Et donc là, il y en a 20. Ça c'est à moitié effacé, mais bon, on voit encore, il y en a 20. Là, il y a des boucles d'oreilles américaines. Il y en a certaines qui ont encore leur bouchon. Là, il y a encore des anneaux de jonction. Et par contre, là, il y a un mélange, il y a toutes les tailles. Et cette fois-ci, ils sont argentés. Et pour finir... On a, je sais que ça intéresse beaucoup de monde, donc du coup je l'ai divisé en deux, il y a 2 sachets de breloques. Donc là, voilà, ça va être difficile de vous montrer, hein, mais il y a 2 sachets de breloques. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai des emporte-pièces. Bon, vous les voyez d'ici, c'est très bien.
Donc là, il y a une fleur. Un trèfle à 3 feuilles, un trèfle à 4 feuilles et un espèce de coquillage. Ou alors on peut aussi s'en servir comme un arbre. Donc voilà. J'ai aussi les outils pour faire la pâtisserie. Ah, il y en a un qui est en double. Ah, bon. Il y en a un qui est rose et l'autre qui est rouge. Bref, des outils pour la pâtisserie. Donc cet échange ne concerne pas que le polymère, parce qu'il y a aussi un peu de scrap et de la pâtisserie. Il y en a pour tous les goûts. Voilà, des petits outils comme ça. J'ai des bâtons de sucette. Je n'ai pas 2, 4, 6, 8, 10. Vous voyez, il y a une dizaine de bâtons de sucette. J'ai le fameux petit outil rouge, que moi je m'en sers jamais. Donc, voilà. Il y a 2 grands bâtons de cake pop. Ah, toute la gourmandise, moi je m'en sers pas, donc voilà. Ensuite, il y a un décomate jaune, mais je sais pas ce qu'il vaut. J'en ai aucune idée parce que moi je m'en suis jamais servi. Donc je sais même pas s'il est plein ou s'il est vide. Mais voilà, je propose quand même, on sait jamais, un décomate jaune. J'ai du washi tape champignon qui reste pas grand chose, mais bon. Il est tout mignon. Des petits champignons dessus. Ça peut servir pour je sais pas quoi, ce qu'on veut. Voilà. J'ai un dosing tool, donc celui-ci, dans le lot, il fait partie des plus gros. Avec le gros embout. Et l'autre côté, il est plutôt fin. Voilà, bref. Un dosing tool vert. Ah, j'ai eu ça, des Rainbow Loom. Mes filles ne s'en servent pas du tout, elles détestent ça. Donc du coup, là, j'ai 2 gros sachets des Rainbow Loom, tout neufs. Il y a juste celui-là que j'ai ouvert pour glisser à l'intérieur les petits fermoirs. Sinon, ils sont tout neufs, ils n'ont jamais servi. Voilà, des Rainbow Loom. Ouais, non, moi je déteste ça, puis mes filles aussi. Donc, on n'en a aucunement l'utilité. Et je crois que ça n'intéresse plus personne, donc ça va partir à la poubelle aussi. Ensuite, attends, hop, les perles. Donc, là, on a des perles de rocaille. Les fameuses perles que je n'aime pas. Donc, il y en a des blanches, des rosées bleues, et tout en bas, il y en a des argentées. Et toujours dans les perles de rocaille, là il y a un lot où il y a toutes les couleurs et toutes les formes. Ensuite là, il y a des perles moustaches. C'est rigolo, elles sont mignonnes. Elles sont mignonnes, mais je m'en sers plus. Donc voilà. Et là, on a des perles étoiles. Donc il y a 2 tailles, il y a des grandes et des petites. Et il y a plusieurs couleurs. Et j'ai mal au bras à force d'être en l'air comme ça. Et là, il me restait un gros sachet de perles qui était complètement mélangé. Et j'ai décidé de faire, enfin pas du tri, mais de répertorier tout ça. Donc, voilà, je me suis amusée à faire mon... Pas du tri, hein, mais bon, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc il reste quand même un gros sachet de perles diverses. Il reste plein de perles comme ça. Il y a de tout. Et dans le lot, il y avait aussi... des perles nœuds rouges, là c'est pas des perles, c'est des demi-cabochons roses translucides. Des petits papillons en perles. Là ce sont des perles cœur avec un strass au milieu. Des perles encore avec des strass. Des camées, donc il y a 2 perles et un cabochon. Et les perles sont déjà montées, mais après vous pouvez les démonter bien évidemment. Le cabochon, il n'y a rien derrière, forcément c'est un cabochon. Et les perles, elles sont des 2 côtés. Là, il y a un autre lot de perles diverses. Il y a une petite perle Hello Kitty. Elle est toute seule, elle s'ennuie, la pauvre petite mère. Oh, une petite Hello Kitty. Et pour finir, là, c'est des vieilles boucles d'oreilles que j'ai démontées et j'ai récupéré des petites perles qu'il y avait. Enfin, c'est pas vraiment des perles. Je sais pas comment tu peux appeler ça autrement. Et donc voilà pour les perles. Ensuite là, ce sont des cabochons à mouler. Donc j'ai 3 supports camés. Alors celui-là, il paye pas de mine, mais il est très bien. C'est juste qu'il a eu un accident. Mais il moule toujours aussi bien. Il y a ce support camé là. Et il y a celui-là que j'avais réalisé en résine, mais il était tellement moche que bah, j'en veux pas, mais il est très bien pour mouler. En
Ensuite, là, ça vient d'une ancienne proposition d'échange, mais j'en ai pas l'utilité. C'est un crocodile Haribo. Dans le même délire, il est où? Il est là. Il y a le petit ourson Haribo. Oups. Voilà, le petit ourson. Ça va, les gars, ils font plus de bruit, là, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans le même délire? Donc ça, c'est moi-même qui l'ai moulé, c'est un petit bonbon. Attends, j'arrive pas à les choper. Un petit bonbon. Ça, c'est pareil, c'est moi-même qui l'ai moulé, il est même prêt à être utilisé, hein, il est tout propre. Enfin, il est tout propre. C'est une façon de parler. C'est un petit croissant avec sa tablette de chocolat. Il est texturé et colorisé, et voilà, il est prêt, quoi. Voilà, un petit croissant. Ça, c'est pareil, c'est moi-même qui l'ai moulé. Elle est pareil, elle est prête à l'emploi. C'est une petite fraise. Bah, c'est un cabochon, donc il y a derrière, c'est plat. Une petite fraise. Ça, c'est moi qui l'ai fait aussi. C'est moi qui l'ai fait. On dirait une gamine. Avec de la fimo liquide et du pastel rouge. Donc ça fait un petit nœud. C'est bien pour faire mini ou Hello Kitty, hein. Voilà. Ça, pareil, c'est des roses que j'ai réalisées moi-même. Je voulais les foutre à la poubelle, puis au final, je me suis dit, bah pourquoi pas la proposer en proposition d'échange. C'est n'importe quoi. Enfin, bref, voilà, des petites roses que j'avais réalisées. Là, on a un petit cornet de glace. Tout petit réclique. Putain, j'espère que vous voyez quelque chose. Hein. Oh. Là, voilà, un cornet de glace, une base de cupcake toute petite, et ce qui reste là, c'est des fonds de tarte. Donc il y a la classique, la ronde classique, voilà. Il y a celle en forme de fleur, on va dire ça comme ça, et les trois qui restent, elles sont en forme de cœur. Alors ça, c'est pareil, je les ai reçus en cadeau pendant un concours que j'avais gagné il y a tellement longtemps, parce que les concours j'en fais plus, maintenant ça m'intéresse pas du tout. Mais elles ont une particularité, c'est que elles collent. Alors je sais pas pourquoi je les ai reçues comme ça. Donc après il suffit juste de les nettoyer et puis ça colle plus, hein. Mais voilà, je préfère vous prévenir. Donc c'est des petits fonds de tarte en forme de cœur. Et il reste les moules et des papiers. Donc il me reste 4 caissettes à cupcakes, toutes blanches, toutes classiques, toutes simples. Là, elles sont toutes raflaplas, elles se sont trouvées écrasées, mais bon, après, il suffit juste de redonner la forme. Hein. Alors, ensuite, on a des papiers de pop-corn pour faire des pots à pop-corn. Donc là, il y en a à la dose. T'en as des tout petits, des moyens et un grand. Enfin, un grand, tout est relatif aussi. Je crois que je vous montre à l'envers, mais bon, vous voyez ce que c'est. Hein. Du coca. Du Subway et merde, il a été plié le con. Du Nutella et voilà. Donc on finit les moules dans cette ancienne proposition d'échange. Donc les oranges, ils sont bizarres, oui, mais ils moulent très bien. Donc par contre, ils passent pas au four et la résine ne va pas dedans. Donc on a encore une base de cupcake. Une madeleine. Ils sont très souples. Et un petit biscuit. On voit rien, c'est chiant. Oh, je suis désolée. Donc là, on a une base de cupcake. Non, pas de cupcake. Un espèce d'Oreo. Je sais pas si. Voilà. Donc celui-ci, je sais qu'il passe au four. Donc je pense aussi que la résine passe dedans. Ça, je sais pas, j'ai jamais testé. En même temps, il n'y a pas vraiment d'utilité. C'est une tablette de chocolat. Ensuite là, je sais qu'il y en a deux ça. Ouais, deux. Il y a deux moules roses. Un petit modèle et un grand modèle. Il y en a un qui est plus profond que l'autre. Voilà, des petites roses. Là, c'est la petite bourlotte muffin, cupcake. Une base de chantilly. Enfin, la chantilly, quoi. Voilà. Des marguerites ou des tournesols, je sais pas, enfin bref, des fleurs, le petit et le grand modèle. Et pour terminer, enfin non pas pour terminer,
Mais ça, c'est une étoile de mer que j'avais réalisée moi-même. Et j'avais besoin de faire plusieurs étoiles de mer, du coup j'en ai fait un moule. Mais maintenant, je n'ai plus besoin du moule. Donc voilà, une petite étoile de mer. Et donc pour finir, voilà, le gros ourson. Qui peut être sympa pour faire des trucs en résine ou pour faire ce qu'on veut, quoi. Il est tout mignon, il est tout choupinou. C'est un petit ourson. Et voilà. Donc ça, c'est ce qui nous restait de l'ancienne proposition d'échange et maintenant on va passer à la nouvelle. Donc comme je le craignais, j'ai pas eu le temps de terminer la vidéo, fallait que j'aille chercher les filles à l'école. Donc j'ai dû couper. Mais bon, l'avantage c'est que les mecs, les gars de chantier ne sont plus là, donc il y aura plus de bruit de ce côté-là. Et en plus, le soleil est revenu, ouais. Mais bon, le désavantage c'est que les filles sont là, donc elles risquent de faire du bruit. J'espère qu'elles vont pouvoir me laisser tranquille quelques instants. On verra bien. Qui vivra verra. Bref. Donc on passe à la grosse partie de l'échange. Attention. Surprise. Voilà tout ce qu'il y a à échanger. C'est énorme. Alors on va passer tout de suite au dépouillement. Alors on commence avec les perles. Il y a encore beaucoup de perles. Donc déjà là, on a un mix de plein de perles différentes, encore une fois. Il y a beaucoup de perles en verre, des petites perles en verre craquelées. Là, on a des perles fruits et fleurs, enfin il y a un peu de tout. C'est des perles cannes, c'est des bouts de canne en perles. Donc, là, il y a plein de petites perles comme ça. Là, j'ai encore des perles de rocaille dans les tons rouge-brun, un rouge-orangé. Ensuite, là, il y a encore un... Il y a plein de petits sachets comme ça, bizarre. Faudrait que j'arrive à tous les réunir, sauf si ça... je sais pas. Enfin bref, voilà. Un autre petit sachet de perles comme ça. Des demi-perles noires. Donc ça, c'est pas des perles, c'est juste des petits cabochons, des demi-perles, toutes noires. Comme les roses de tout à l'heure, sauf que celles-ci, elles sont opaques. Là, c'est plus pour le scrap, je pense. C'est des petits boutons. Et il y en a qui sont super mignons. Pour le scrap ou même pour la couture, hein. Carrément. Ouais, des petits boutons. Là, il y a encore des perles diverses. Il y en a une très grosse. Celle-là, je m'en souviens, je l'ai eue. C'était un cadeau de Perle & Co. Elle est bicolore. Il y a un côté bleu, il y a un côté vert. Et il y a une ligne noire et blanche. Voilà, là, on a des petites perles roses, des petits grelots, des perles alphabets de toutes les couleurs, de différentes couleurs plutôt. Là, encore un mix différent, de différentes perles. Et pour finir, des perles métallisées, des violettes, des vertes, des bleus ciel, enfin, c'est un bleu bizarre, et des rouges. Et il y a un bon gros paquet aussi. Voilà pour le reste des perles. Ensuite là j'ai deux colliers déjà tout montés, des colliers rigides là, je sais pas comment on appelle ça. Donc celui-là c'est avec un ferment à visser, voilà, il est plus souple celui-là. Et l'autre c'est du fil de fer je crois, du fil d'alu, je sais pas, il est plus, voilà, bref. Et c'est un petit fermoir comme ça avec un petit crochet. Voilà, il est un peu plus petit celui-là. Ça fait comme des rats de cou en fait, c'est vraiment, c'est des petits quoi, des petits colliers. Ensuite là j'ai tout plein de colliers comme ça, parce qu'avant en fait je me servais que de ces colliers là. Mais malheureusement maintenant je m'en sers plus, donc du coup je vous les propose en échange. On a des colliers bleus. On a du vert. Il restait un bleu, pardonnez-moi. On a du jaune ocre. Du jaune poussin, du jaune citron. Un seul violet, un seul rose, dans les tons taupe, chocolat, marron, camel, des rouges, et pour finir, des noirs. Vous pouvez prendre tout le lot en entier ou seulement quelques-uns, c'est vous qui voyez. Ensuite, j'ai deux petites pinces. Des pinces à bijoux. Je sais pas quel modèle c'est exactement, voilà, c'est juste des pinces. Et celle-là, je sais qu'elle fait pince coupante aussi. Donc ça on me les avait donné, parce qu'une personne qui faisait plus de polymère m'a redonné tout son stock, mais malheureusement la plupart je m'en sers pas. Donc là ça en fait partie, c'est des petites pinces comme ça. Moi je les ai déjà donc j'en ai pas besoin d'en avoir en double. On repasse à tout ce qui est paillettes, sequins, strass, non il n'y a pas de strass, des
des confettis, tous ces machins là. Ça c'est l'idéal, moi je m'en sers souvent, c'est pour faire des flocons de neige dans la résine. Non, on peut faire aussi sur des créations toutes simples quoi. Moi je trouve que ça fait imitation flocons de neige, mais après on s'en sert comme on veut. Dans le même style, il y a celles-ci qui sont un peu plus brillantes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a encore les petits cœurs. Donc là, le sachet est beaucoup plus gros. Hein. Donc ça peut être sympa en déco de table. Hein. Surtout pour la Saint-Valentin, par exemple. Mais moi, non, c'est pas mon délire. Donc voilà. Là, ça, c'est plus des sequins, là, c'est sûr, parce qu'il y a des titres au milieu. Et il y a vraiment de tout. J'ai vu qu'il y avait des cœurs, des étoiles, des flocons de neige, des petits anges, des sapins, J'ai vu qu'il y avait aussi un cerf. Des papillons, des feuilles, il y a vraiment de tout, absolument de tout dans celui-ci, il y a vraiment toutes les couleurs. Là, des petites étoiles dorées, des petits sequins bleus un peu iridescents, ils ont des petits reflets dedans. Ils sont transparents quand ils sont tout seuls, mais ensemble ils sont tout bleus. Des petits flocons de neige bleus. Pareil, un peu iridescent ceux-là. Des petites fleurs jaunes, des notes de musique. Et pour finir, des flocons de neige argentés autocollants. Il y a la petite pastille derrière. Des petits flocons. Ensuite, il y a un espèce de washi tape. Donc, qui a la version violet, argent et doré. Donc, en fait, l'argenté, j'avais découpé un petit bout. Donc, je peux vous montrer ce que ça donne. Il suffit juste de décoller la partie transparente. Et ça, c'est autocollant. Voilà. Ensuite, ça c'est de la dentelle que j'ai achetée chez Action, mais en fin de compte, je l'aime pas du tout. Donc du coup, je la propose en échange. Et c'est l'idéal pour customiser, là il montre sur la photo, le rebord d'un meuble, ou là une petite lanterne, pour customiser aussi des accessoires scolaires, etc., etc. Elle est super sympa, mais bon, je m'attendais pas du tout à ça, donc je m'en sers pas. Elle est toute neuve, il y a encore les 5 mètres. Elle est très jolie, hein, mais elle est plastifiée et du coup, moi, c'est... Non, ça m'intéresse pas. Là, j'ai retrouvé encore des Decomates, donc j'en ai aucune idée s'il y a aussi des tubes à paillettes, mais je crois que les tubes à paillettes, ils sont morts. Ils sont... Non, je pense que ceux-là, ils sont bons à foutre à la poubelle. Il y avait un vert, un bleu, un violet, un rouge, mais je pense que voilà, ils vont rejoindre ma petite poubelle, ceux-là. Par contre, il y a ceux-là, des tout petits, mais ils sont tout neufs, donc je pense qu'ils fonctionnent encore. L'emballage, je l'ai même pas ouvert. Je l'ai jamais ouvert. Donc je pense qu'il fonctionne encore cela, mais je ne garantis pas du tout. On a de la peinture tulipe, de la blanche. Donc ça, je sais qu'elle fonctionne encore celle-là. Parce que j'avais fait mon petit test avant quand même. On a du Decomate blanc, donc il y en a un qui est entamé et l'autre qui est tout neuf. Et les deux fonctionnent. On a du Decomate marron au chocolat. Du rose et du vert. Et un autre, je sais pas ce que c'est, il n'y a pas de marque, il n'y a rien du tout. Mais il y en a encore plein dedans et il est rose aussi. C'est un peu, c'est le même style que le Decomate en fin de compte. Ensuite, on passe aux apprêts. Tout est bien rangé avec moi à chaque fois parce que je déteste le bordel. C'est un truc dont j'ai horreur. Alors, la dernière fois, ça avait pas mal plu, donc j'en ai retrouvé. C'est des petites bagues réglables. Donc à chaque fois, j'ai deux paquets, j'en ai mis 15 à chaque fois dedans. Voilà, il y a deux personnes qui peuvent avoir des petites bagues réglables, comme ça, par 15. Oh, je tremble! Au secours, j'ai 4 barrettes, comme ça, à customiser. Voilà, les petites barrettes. J'ai deux chaînes serpents, qui sont déjà tout montées, avec la petite extension de chaîne. Là, j'ai encore des straps différents, des autres de tout à l'heure, mais bon, c'est des straps aussi, c'est les mêmes. Comme le clos, c'est tout. Encore des petites épingles en plastoc, ceux-là. Et translucides. Non, encore, non. Tout à l'heure, j'en ai pas montré, je crois. Je sais plus. Là, oui, j'en ai encore des boucles d'oreilles américaines. Du coup, c'est pareil, j'ai deux lots de boucles d'oreilles américaines. Par contre, j'ai pas compté, hein. Je sais pas combien, du tout combien il y en a dedans. Et pour aller avec, là, j'ai les petits bouchons de boucles d'oreilles. Donc, il y en a pour 20 paires, c'est-à-dire qu'il y a 40 petits bouchons. Et là, oui, j'ai aussi des supports pour... Non, des bouchons pour les boucles d'oreilles je sais pas comment dire. Comme ça. Avec le petit rond en plastique. Et donc là, il reste plein de petits anneaux. Donc ça, c'est des anneaux doubles. Qui font 3 mm. Là, il y a les mêmes, mais en 4 mm. Légèrement plus grand.
Et là, on les mêmes en 6 mm. Il y en a un petit peu moins. Un petit peu beaucoup moins même, je dirais. C'est des... Je sais pas si on voit. C'est des anneaux doubles aussi. Et là, c'est des anneaux simples, je crois. Oui. Donc là, il se fait des grands. Des grands anneaux. Et là, des tout petits rikiki. Des tout petits anneaux simples. Donc ensuite, on continue avec quelque chose qui vous, que vous aimiez beaucoup aussi la dernière fois. L'année dernière, maintenant. C'est les petites billes plates. Donc du coup, je vous en ai retrouvé et je vous en propose en échange. Donc on a la version blanc transparent. Un peu bleuté, je trouve. Hein. Et je sais plus combien j'en ai mis dedans. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, il y en a une dizaine à chaque fois. Des petites billes plates transparentes. Voilà. Il y en a en rose. Et pour finir, il y en a en violet. Et ça, j'ai avec ces petites choses-là, j'ai un DIY à vous faire. Donc, si jamais ça vous intéresse, restez à l'affût. Je sais pas quand est-ce qu'il viendra ce DIY, mais il y en aura un avec ces petites choses-là. Donc voilà. Et là, il y en a que j'avais réalisé moi-même pour faire des yeux de dragon. Donc après, vous pouvez très bien enlever la peinture et puis récupérer les petites pierres. Hein. Si vous les gardez comme ça ou vous les enlevez la peinture, ce que vous voulez. Bref, voilà. Il y a un peu toutes les couleurs. Il y en a des bleus, il y en a des une espèce d'orange, il y en a des transparentes, il y en a des violets. Voilà, il y a de tout. C'était pour faire des yeux de dragon, mais du coup, je m'en suis jamais servi finalement. Donc voilà. Donc voilà pour les petites pierres plates. Ensuite, là, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la personne s'est débarrassée de son stock de polymères et du coup, elle m'a donné une boîte de pastel. Mais moi, j'en ai déjà une, donc ça sert à rien d'en avoir une deuxième. Bon, elle est un petit peu malade. Elle a fait un peu n'importe quoi avec. Mais finalement, ils sont encore très bien. Faut juste les nettoyer un petit peu, quoi. À des pastels secs, comme ça. Ensuite, là, j'ai un moule pour la pâtisserie. J'avais acheté ça chez L'Incroyable, mais finalement, je m'en sers pas du tout. Donc voilà, moule pour modelage et décor, sur le thème des fleurs et des feuilles. Là c'est pareil, c'est la même personne, des petites boîtes, il y a deux petites boîtes comme ça, avec les compartiments qui sont amovibles. Attends, je sais plus c'est lequel, lui il bouge pas, ces deux là ils bougent pas mais les autres ils bougent. Puis tu les mets comme tu veux. Voilà, deux petites boîtes comme ça. J'ai encore 4 emporte-pièces, donc là c'est des emporte-pièces crantés. Ils sont crantés. Voilà, donc là il y a un rond, une lune, un ovale et un rectangulaire. Ensuite là j'ai un très large ruban vert, donc il y a pas mal de centimètres. Je pourrais pas dire combien exactement, mais voilà, il y en a pas mal. Mais moi c'est trop large, je peux pas m'en servir. C'est dommage parce que je le trouve très joli comme vert. Et voilà, il y a un bon. Il y en a pas mal. Là, j'ai juste un petit bout de vert. Donc, il doit y avoir une trentaine de centimètres, je pense. Un petit blanc en satin aussi. Donc, là, il est beaucoup plus petit. Et j'en ai un parme avec des petits pois blancs. Donc, pareil, je pense qu'il doit faire la même taille. Non, plus petit que le vert. Ouais, il est plus petit. Et toujours dans cette catégorie-là, on va dire ça comme ça, j'ai des petits nœuds, des roses et des verts. Et un très gros bleu. J'ai encore des petites étiquettes. Ben, on a encore du Nutella. Là on a celle-ci comme ça. Je sais pas ce que c'est, moi j'y connais rien. Mais voilà. On a du fluff. Marshmallow fluff. Un Starbucks. Oh comment je tremble, c'est dingue. Et là on a du milk. J'aime bien l'étiquette, elle est jolie celle-là. Et là, on a aussi des espèces de mini autocollants. Je pense que c'est pour le nail art. Putain, comment je tremble. On a encore des petits cabochons à mouler. Donc, il y a un cupcake, beaucoup plus gros que ceux de tout à l'heure. On a encore un ourson. Donc ça, c'est moi qui l'ai fabriqué moi-même, sans moule ni rien. Je l'ai fait à la main. C'est une petite théière, parce que c'était sur le thème de Alice. J'avais une création à faire, puis finalement, je m'en suis pas servi. Une petite théière blanche avec des pois bleus. On a deux petites roses. Et ça, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est un dahlia. C'est une fleur aussi. Et j'ai encore un petit lot de moules à vous échanger. Donc là, j'ai un moule charlotte aux fraises.
pour faire la charlotte. Voilà. J'ai encore un crocodile Haribo. Là, un nœud. Donc ça, c'est super pour faire, comme tout à l'heure, le nœud de Hello Kitty ou de Mini. Je trouve qu'il est très joli celui-là. Là, c'est encore une base de cupcake. J'en ai plein, putain. Pardon. Encore une base de cupcake. Ça, c'est trop fun, ça. Une moustache. C'est rigolo. Là, un Oreo. Il est à l'envers, non? Un petit Oreo. Là, c'est encore de la chantilly. Je crois que c'est le même que tout à l'heure. Et j'ai deux moules donuts. Et celui-là, ce qui est chiant, c'est que c'est un attrape-poil. Vu que j'ai trois chats et un chien, et ben, je vous raconte pas la misère. Faut juste le nettoyer un peu, mais bon. Voilà. Donuts. Et donc, on va finir avec quelque chose qui n'intéresse personne maintenant, parce que tout le monde s'en fout. Mais je le propose quand même, parce que moi, je m'en sers pas. C'est des pains de Fimo. Donc, ils sont tellement vieux que c'est l'ancien packaging. Et c'est des couleurs que je me sers jamais. En fait, c'est de la Fimo à paillettes, et moi, j'aime pas ça. Donc si ça intéresse quelqu'un, et bah tant mieux. Sinon, bah, je vais m'en servir en pâte burk. Voilà. Donc là, on a deux bleus paillettes. C'est les mêmes. C'est, ouais, du glitter. Du bleu à paillettes. Voilà. C'est les deux mêmes. Oh putain, tu m'as fait peur, toi. Du doré à paillettes. Je sais pas si on les voit bien, les paillettes. Là, c'est les deux mêmes. C'est du vert. Les pains, ils sont tout neufs, hein. Je m'en suis jamais servi. Je les aime pas. Ouais, du verre à paillettes. Là, je crois que c'est les deux mêmes. Ouais, les deux mêmes. Des rouges à paillettes aussi. Du marbre, pour faire l'effet marbre. C'est le genre de choses que je ne sers pas du tout, malheureusement. Et ça, c'est du granit, non? Oui, c'est ça, du granit. Ça, je m'en étais servi qu'une seule fois pour faire mes carpes koi, pour faire le bassin. Mais sinon, en dehors de ça, je m'en suis jamais servi. Voilà, du granit. Voilà, si ça intéresse quelqu'un, et bah tant mieux. Sinon, pour ma part, ça partira en pâte burk. Donc voilà, j'ai fini avec cette vidéo qui a été bien plus longue que prévu, mais en même temps, c'est une proposition d'échange, donc faut savoir ce qu'on veut, hein. C'est comme ça, c'est pas autrement. Donc j'espère franchement que ça va vous intéresser, beaucoup d'entre vous. Ce serait cool que tout disparaisse, ce serait vraiment génial. J'ai besoin de place, donc vite. Et puis bah voilà, n'hésitez pas à me le faire savoir, faites-moi une vidéo rapidement, vite, vite. Non, je déconne, hein, prenez votre temps quand même, hein. Faut pas abuser. Hein. Il n'y a pas de limite de date. Voilà. Je sais plus ce que je dis. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu malgré sa longueur. Hein. Voilà, je vais pas me le redire, hein. J'ai fait ce que j'ai pu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On vous fait plein de gros bisous. Et on vous dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye. Oh la pauvre belle est toute timide.